elle n'a jusqu'au jour où Ève a perdu sa maison, qu'elle dormait dehors. Et comme Ève a perdu la dame, ses enfants ont commencé à se tuer. C'est là maintenant elle a commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait que moi qui étais la reine, moi reine, qui vivais dans le jardin, aujourd'hui je me retrouve dehors. Pas un arme, pas un couteau, pas de bombe. Mensonge. Le couta. C'est ça la force qu'il y a dans le mensonge. C'est ça la force qu'il y a dans la sorcellerie. C'est ça la force qu'il y a dans les mensonges. Une histoire. On te raconte une histoire. L'histoire bouleverse toute ta tête. Une histoire a la capacité de te faire sortir de l'esprit. Et tu te retrouves dans la chair. C'est pourquoi des fois vous allez voir des frères dire que donc il y a un sacanaga pour la signe Bible. La Bible on a bien sûr la devoir pour une langue locale. Un frère à l'église. Pardon, j'ai dit un pasteur. Les oh, même moi. Attends, mon gars. Après la prédication, au sacan il m'a dit, je vais te taper. Vous comprenez un peu? C'est ce qui produit ça. C'est une petite chose. Ceux qui m'ont dit que trouve ça ici, tu ne vas pas trouver. Si on te dit de trouver le mensonge qui a menti elle, tu ne vas pas trouver ça. Mais c'est là avec la capacité de faire changer la maison où elle va habiter. La petite chose là avait la capacité de commencer à tuer tous les enfants de Dieu. C'était une petite chose, mais ça avait la capacité. C'est la fascination qui a créé ce qu'on appelle le monde. Mais parce que c'est la fascination qui a créé le monde, Cela ne s'est pas arrêté là-bas. Jusqu'aujourd'hui, le monde est en train de faire sortir une voix. Le monde est en train de parler. Ce n'est pas parce qu'on a pas eu de mot de l'église, que le monde est aussi que l'église. Même quand tu donnes ta vie en Jésus, et tu commences à marcher, tu viens, tu entres ici. Le monde est en train de t'attendre. Tous tes amis, ils sont en train de t'attendre qu'un jour tu vas revenir partir avec eux au bas. Mais ils sont en train de